Attention, attention, cette émission est tenue par un irresponsable qui ne sait pas tenir ses propos et qui propose en plus des vidéos grossières. Alors je vous préviens, éloignez vos petits-enfants ou alors proposez-les-moi à Robert le hamster dépressif qui est aussi pédophile. Merci de votre attention. Bonjour les Tilous, c'est Bye Bye pour un nouveau What the fuck Japon. Car les Japonais sont complètement déviants, des malades mentaux. Et aujourd'hui pour ce What the fuck Japon, nous allons parler des ninjas. Ninja. 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 Voilà, j'avais pas d'autre idée pour présenter le sujet. Oui, je sais, pire transition de podcast jamais vue au monde. Les ninjas, c'est badass, y'a rien à redire dessus. Ça a de la gueule. C'est surpuissant comme Sean Norris. Et en plus, ça fait ça avec classe, en mode furtif, comme Batman. Vas-y, wesh, t'as rien. C'était les assassins de la période Edo, ni vu ni connu, je t'embrouille dans la cambouse. C'est pour ça qu'il faut parler du bon et du mauvais ninja. Le bon, il s'infiltre dans la maison, tu vois, et il le fait bien. Dites-moi, non. Alors que le mauvais, il s'affiche dans la maison, mais pas bien, tu vois. Le bon, il assassine, le bon ninja, tu vois, il assassine les gens. Alors que le mauvais, tu vois, il a... Ah ouais, quand même. Oui. D'ailleurs, on va en profiter pour parler du ninja le plus célèbre au monde. Vous savez très bien de qui je veux parler. Celui que tout le monde a déjà vu. Je veux bien entendu parler de la Blue Girl. Ah, les souvenirs de FAP dessus. Le nom de mouchoir souillé est dû à cette ninjette au poil plus bien bleu. Car oui, grâce à cet animé, j'ai pu apprendre que les japonaises, quand elles se teint, ça passe partout. Je demande de quelle couleur sont les poils de Mathias dans Lucie, l'amour et rock'n'roll. Trop d'infos d'un coup. On va passer une page de pub. Enfin bref, passons sur la grande nouveauté qu'a apporté Blue Girl. Enfin, que dis-je, la révolution. Et non, je n'en fais pas un petit peu trop. En réinventant les armes du ninja. Oublions les shurikens, les kuzagarima ou encore les femmes jetées. Notre Blue Girl, elle, invente un peu de féerie, de magie dans notre monde de ninja. Déjà bien farfelu en soi, avec ses poils pubiens qui deviennent de véritables pics. Pics balancés dans le visage de ses assaillants qui souhaitaient lui faire un cunilingus non consenti. Car oui, quoi de plus discret et innocent que des poils pubiens quand nous essayons de violer une jeune fille. Moi-même pratiquant ce noble sport qui est le viol depuis fort quelques années, je vous serais laissé surprendre. Donc n'oublions pas, amis voleurs, de ramener son rasoir et sa bombe à raser en sortie. Au final, on sait que les femmes ninjas sont supérieures aux hommes ninjas grâce à leur technique personnelle. Autant profiter de cette interlude pour parler des outils ninja. Il faut savoir que le ninja a toute une panoplie d'armes pour effectuer ses missions, leur donnant des noms farfelus dignes de médicaments génériques.
comme un grappin au nom de Kaginawa pour effectuer des escalades. Les Matsubishi, ces boules de fumée qui leur permettent de disparaître ou d'attaquer en traître. Mais c'est bien sûr leur moyen de communication, le téléphone Garfield, qui m'a le plus étonné. Listen to me. Traitor, I believe that you've received a death message from our ninja empire. Que... Ouais, vous me croyez pas? Je vous recommande alors de mater tous les films de Gofreo, l'expert professionnel de ninja qui nous en a présenté dans toute une panoplie de toutes sortes. D'ailleurs, autant le faire en chanson. Alors vous êtes prêts les enfants? Tout, tout sur les ninjas, le black, le flic, le follet, le dur, le mou qui a un grand coup de tous les couleurs, le gros doucou, tout à l'heure, l'express, le solide. Après cette interlude musicale, et après avoir adouci les mœurs, les âmes, les esprits avec ma voix de déesse... Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle! Je me dois de finir sur une magnifique présentation de Technique Ninja. Maruta. Et ça, ça te fout sur le cul! Yeah!